Bonjour, maintenant on va étudier les verbes du deuxième groupe. Les verbes de quoi? Du deuxième groupe. Voilà. Voilà une série. Bien, une liste. Agir, unir, remplir, punir, réussir, bondir, pétrir, périr, saisir, aplomb, applaudir. La liste est longue. Et longue, j'ai choisi ces verbes. D'accord? Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. IR, voilà. Comment on les distingue avec les autres qui se terminent, ou bien avec les verbes qui se terminent avec des troisième groupes qui se terminent par IR? Le présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, dans les trois personnes du pluriel, nous, vous, il, on ajoute deux S. Alors on a nous agissons, vous agissez et ils agissent. Le verbe du deuxième groupe contient deux bases. D'accord? Deux radicaux. Alors, pourquoi j'ai un verbe du deuxième groupe? On efface R. Au passé composé, pardon, on efface R. Tout simplement. Alors, le participe passé va continuer seulement, va continuer I. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, avoir. Voilà l'exemple. Je donnais l'exemple ici d'agir. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je ai, il y a les deux voyelles, alors l'illusion, l'apostrophe, j'ai agi. Il n'y a pas T. Faites attention. Il n'y a pas T. Alors j'ai dit, on efface R à l'infinitif. Tu as agi, on a agi, il a agi, elle a agi, nous avons agi, il a agi, vous avez agi, une petite erreur ici, vous avez agi, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils ont agi, elles ont agi. J'écris toutes les personnes. Singulier, masculin, féminin, masculin, pluriel, féminin, pluriel, pour vous montrer qu'on n'ajoute pas S, n'ajoute ni S, ni E, ni ES, parce que, comme j'ai dit, le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas avec le sujet. Ça veut dire, si le sujet est féminin, est-ce que je vais ajouter E? Non. C'est le pluriel masculin, est-ce que je vais ajouter S? Non. C'est le pluriel féminin, est-ce que je vais ajouter ES? Non. Lorsque le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, on ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Mais c'est seulement lorsque il se conjugue avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors voilà, ça c'est le deuxième groupe. Après, on va voir le troisième groupe.